Oula, ouais, il fait comme moi. Il a la même réaction que moi. Ouais, un gros encore. Il m'a dit, vous avez vu comment ça mord bien? Porte-bois, voilà. Une grosse femelle. Voilà, on décroche. Désolé pour les bruits, c'est des gens qui passent à vélo. Voilà, on va essayer de reprendre un cheven en live. Ouais, en live, bah, si c'est quand même en live. Perso, il y a pas mal de trucs de fario dans cette rivière, on n'en a pas pris aujourd'hui. Voilà, on n'est pas très chanceux. Voilà, on s'est dit que ça serait sympa aussi de pêcher au porte-bois, les verrons, tout ça. Et hop, on se met ici, là, ouais, là, on va en prendre, hein, je pense. Là, t'es pas mal, tu vois, là, tu mets ton porte-bois, là. Oh, les goujons, c'est les verrons qui bouffent, là. Ah, manqué. Donc, bah, dans cet endroit, dans cette rivière, oula, je sais pas si je l'ai, si. Oh, merde! Dans cette rivière, il y a aussi des chevesnes, et pas en grand nombre. Et de temps en temps, ça arrive qu'on prenne des gardons plus haut. Voilà, encore un. Voilà, donc c'est très pratique si vous voulez vous faire du bif. Surtout en été, là on est au mois d'août. Ça marche surtout au mois d'août, au mois de juillet. Et donc il est bien piqué. Vous prenez un hameçon de 14, un bouchon très léger. Ça marche de même en étang pour pêcher des gardons ou des rotangs, tout ce que vous voulez, des bifs. Oh, ouf! Ça, c'est un cheven, je l'ai senti.